Bonjour, je viens souvent ici à Solidaire Restaurant de Zora, avant en Vlin Village, et je viens me restaurer régulièrement. Je suis une cliente fidèle, et même j'amène des gens qui ne connaissent pas, et je les amène ici. J'en prends à emporter, et on y mange très très bien. Alors venez. Il y a des plats chauds sur la période d'hiver, des plats avec des pois chiches vraiment consistants, il y a des lasagnes. Il y a le couscous tous les vendredis, et excellent, c'est vraiment copieux. En plus, on a une entrée de salade d'entrée avec fromage et tout ça, après le plat chaud et dessert maison. Et franchement, pour 8 euros... Donc 8 euros le repas, quel que soit le repas. Le couscous est à 8 euros. Sinon, les autres repas... Les autres repas est à 7 euros. À 7 euros. Bon, ben voilà, c'est bien de le dire parce que. C'est important de le savoir, oui. Pour le prix, c'est bien. Et les personnes en difficulté à 5 euros. Et les personnes en difficulté sont à 5 euros. C'est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Oui. Les vendredis, c'est pour le couscous. D'accord. Alors, à savoir. Alors, le midi, le soir. Le midi et le soir. Le midi et le soir. Oui, tout à fait. Tous les jours aussi, le midi et le soir. Sous réservation, le soir. D'accord. S'il y a beaucoup de personnes, à ce moment-là, on prévoit le repas. D'accord. Pour le soir. Et on organise aussi, la salle est ouverte pour faire des soirées, des organisations d'anniversaire et tout ça. Mm-hmm. La porte est ouverte et pour inviter des repas entre femmes, de la musique. Ça, c'est à voir avec la responsable qui est Zora. D'accord. Et les mercredis, il y a des ateliers. D'accord. Des rencontres entre femmes. Ah. Et pourquoi les hommes, ils sont interdits? Non, non, pas du tout, ils ne sont ils pas du tout interdits. Ils peuvent venir, les hommes? D'accord. Mais les mercredis, ils ne viennent pas. En général, c'est que les femmes. D'accord. Ah ben, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pensez du restaurant? Oh, c'est très bien, l'idée est très bonne. Oui. Il faut que ce soit plus connu. Ben, pour ça qu'on fait ça. C'est très bien, la cuisine est très bonne. Les gens sont très gentils. D'accord. On est bien, on est comme chez nous ici. Il faut venir, venez voir. C'est un vrai bonheur d'être là. D'accord. On est bien, j'ai bien servi, le couscous est excellent. Et puis on trouve des gens sympathiques, on discute un moment. C'est vraiment un endroit convivial. Voilà, donc on est heureux. Et puis on espère que d'autres personnes nous rejoignent. Voilà. Merci. Et je rajouterai une chose, c'est le vrai couscous de là-bas. D'accord. Très bien. Maria. Ouais. Alors c'est à moi. Oui. Moi, je suis bien contente d'être là. Et j'ai connu Victoire tout à fait au début. Et elle est très sympathique. Elle tient bien son affaire. Et c'est très bon. Très bien.
c'est un bon moment de partage, un échange, en plus du bon repas. Très bien. Merci. Tout va bien. Elles sont gentilles, les filles, elles sont très gentilles. Elles sont très gentilles, oui. D'accord. Moi, en fait, moi, je suis présidente du restaurant solidaire depuis déjà 2 ans. Hein. C'est un restaurant solidaire que tout le monde est satisfait, tout le monde est content, tout le monde est bien. Moi, du lundi au vendredi, en fait, j'accueille les gens pour qu'ils viennent manger tout frais. Tout... Et ça se passe bien. J'ai surtout une bonne équipe. Hein. J'ai surtout... Sans équipe, je m'en sortirai pas. Alors, parle de cette équipe. C'est combien ? Des femmes, des hommes, J'ai une cuisinière qui est franchement qui travaille avec le cœur tout. J'ai une serveuse, hein, Malika, franchement toujours avec le sourire. Elle a l'accueil quand même bien. Les gens, ils l'apprécient, c'est pour ça qu'ils reviennent. Mais quand les gens, ils reviennent, c'est surtout aussi l'accueil. L'accueil, le repas qui est bon. Et je suis contente parce que cette association, en fait, je l'ai faite. Je l'ai créée, en fait, cette association, en fait, on est une équipe. On l'a créée tous ensemble. C'est que c'était pour Vanvelin, pour les habitants, pour les militants. Aussi, quand même, la mairie de Vanvelin, ils m'appellent pour des repas emportés. Hein, quand même, ils aident un petit peu l'association. Je remercie aussi la mairie de Vanvelin, hein, quand même, ils sont là. Il nous soutient, il nous conseille aussi. Ça aussi. C'est important d'être soutenu un petit peu tout le monde. Hein. J'ai la cuisinière, j'ai l'équipe, c'est ça qui est important. Le but quand j'ai fait ce restaurant solidaire, c'est quand j'ai ouvert cette épicerie sociale qui s'appelle Victoire. En fait, ce restaurant solidaire, c'est surtout pour aider les personnes en difficulté qu'ils n'en ont vraiment pas. Hein. Je travaille avec les lettres d'assistance sociale. Et c'est surtout Malika qui s'en occupe. Hein, on fait des colis alimentaires. Malika, c'est moi. Hein, voilà. Hein, voilà, Malika, c'est elle. Et ce but, quand j'ai créé en fait Victoire, cette épicerie, c'est là, étape par étape, tout le monde me disait, pourquoi tu ne fais pas ce restaurant solidaire pour qu'on soit bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Alors l'épicerie, c'était au début, l'épicerie. C'est tout au début, ça fait 5 ans. Tu peux parler de l'épicerie, hein. Bien sûr, tu peux me permettre de parler de l'épicerie. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai une épicerie sociale, ça fait un bon moment que ça me tenait à cœur. Bon, j'ai fait depuis quand ? Avant de faire tout ça, j'ai fait beaucoup de bénévoles. Hein. Ça faisait 10 ans, 15 ans, je faisais du bénévole. D'accord. Hein. J'ai travaillé et là, j'ai décidé de créer une association. Et j'ai créé Victoire. Victoire, pour moi, Victoire, ça me tient vraiment à cœur. L'association s'appelle Victoire. Victoire, cette association s'appelle Victoire. Et si j'ai crié Victoire, c'est que je pense moi-même, j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai vu ce que c'était la misère. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui étaient seules, qui me racontaient sa vie, il y a des gens qui n'aident pas. Il y a des gens qui n'aident pas. Alors moi, j'ai voulu créer cette association. Et je ne regrette pas d'avoir créé cette association parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent à mon restaurant, à mon épicerie sociale, qui sont super heureux. Hein. J'ai quand même 180 adhérents. 180 adhérents. Et je suis vraiment très, 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 très contente. J'ai quand même la mairie de Vanvelin, quand même. Ils me donnent toujours une subvention. J'ai le Renault Conclin, le débuté, qui m'aide aussi, avec Marc Cachard. Franchement, tu sais, quand on est soutenu par une épicerie sociale, je suis super contente. Hein. Et j'ai aussi quand même la mairie de Vanvelin. Et est-ce que vous appelez aux dons les personnes en dehors de la mairie? Est-ce que vous avez des personnes qui vous aident en... En fait, je travaille avec la banque alimentaire, mais en fait, ils ne donnent pas des dons, hein, je paye. Ah, d'accord. C'est super, franchement, honnêtement, c'est super dur d'avoir des dons. D'accord. C'est galère. Parce que les gens peut-être ne sont pas au courant. Voilà, moi peut-être qu'ils sont pas au courant. Et bien il faut peut-être profiter pour lancer un appel aux dons. Ouais, c'est vrai qu'il manque de la marchandise. Il manque tout ce qui est alimentation. Parce que vous avez des personnes qui ont des bébés. Vous avez des personnes qui sont vraiment dans la misère. Ça sera bien quand même, ça sera bien que des gens ils nous donnent aussi des dons pour faire profiter des gens qui ne en ont pas. C'est vrai que moi j'ai un loyer à payer, j'ai l'électricité à payer, j'ai la banque alimentaire à payer, j'ai beaucoup de choses à payer. Et des fois moi ça m'embête, c'est quand les gens ils viennent à l'épicerie sociale, ils me demandent gratuit. Et ça me fait, moi je suis quelqu'un de très sensible, et des fois ça m'arrive avec Malika de donner des trucs gratuits, que des fois je me trouve dans la merde.
Alors que des fois, je pleure devant la mairie, je pleure devant le député, je pleure de que c'est pas comme ça qu'on doit travailler parce que voilà, normalement, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me soutiennent un petit peu, qui m'aident. Bon, c'est moi qui travaille à l'épicerie, c'est Madame Boudaloui. Tous les mardis, le jeudi, le vendredi matin, on est ouvert de 9h jusqu'à midi. On sert les clients, des adhérents, je veux dire. Tous ceux qui ont... Ah oui, puis il y a les colis aussi. On leur prépare des colis pour ceux qui... Et les colis, ça, pour... Les colis pour ceux qui sont vraiment endettés, quoi. Voilà, c'est les gens qui ont, besoin, les personnes qui ont besoin et vous leur faites des colis à emporter. D'accord. Pas bien cher, hein, entre 8 et 10 euros. Voilà, voilà, vous faites des colis. Le nombre de kilos. D'accord. Et dans les colis, il y a quoi? Alimentation? Dans les colis, il y a de l'alimentation. Ben, il y a un peu d'accord. tout, hein, du pain de mie, des yaourts, d'accord. du fromage, des fruits, des légumes, de l'huile, du sucre, des œufs, des conserves, d'accord. De tout, des céréales. Il manque des choses là, il manque encore pas mal de choses. Il manque beaucoup de choses quand même. Il manque de la viande à l'air, voilà, il y a des Français, il y a des Maghrébins. Ça sera bien nous, on demande du à l'air parce qu'il y a plus de Maghrébins porc, que de viande. Parce qu'il y a quand même il y a des Français qu'on leur sert de la viande, qu'il y a des gens qui mangent à l'air. C'est vrai que ça sera bien qu'on a de l'alimentation. Nous, ce qui nous manque à l'épicerie sociale, c'est du LL. Voilà. Alors, si les gens ils nous écoutent, au moins qu'ils nous aident sur l'épicerie sociale, franchement, ça sera bien quand même. On ne demande pas, voilà, c'est surtout. Et les gens qui viennent se servir, ils viennent d'où? Est-ce que c'est seulement de Vendin? La plupart des fois, c'est des Vaudais. Et il y a des gens qui viennent de Lyon. Oui. Ils viennent avec des courriers qu'ils n'ont pas vraiment, que Lyon ne les aide pas. Des courriers, c'est-à-dire? Des courriers de l'assistance sociale. Ah, des... Je travaille beaucoup avec les aides d'assistance sociale. Et moi, qui me fait mal au cœur, c'est des personnes de Lyon, de Vénissieux. Ils viennent avec des courriers comme quoi Lyon ne les aide pas. Ça me fait de la peine quand même. Ils viennent se servir Ils viennent à l'épicerie sociale parce que je suis à Facebook, ils me suivent beaucoup. Et des fois, ça m'arrive de ne pas leur refuser parce qu'ils sont vraiment grave en difficulté. D'accord. Et des fois, ça m'arrive de... Voilà. C'est pour ça qu'il manque de la marchandise, il manque des dons pour cette épicerie sociale. Moi, tout ce que je veux, c'est agrandir un petit peu mon épicerie sociale, qui a plus d'alimentation, plus de manger, plus de... pour faire nourrir 180 adhérents. J'ai quand même 180 adhérents que j'aimerais bien quand même les servir bien et qu'il y ait un petit peu de tout. La cuisinière de Odilis de l'Espoir, l'association. D'accord. Et ben, j'ai commencé avec Zora D l'ouverture de ce restaurant. Et je me permets là, entre parenthèses, de parler par rapport à des aides aussi. Parce que nous, c'est une association, Zora fait beaucoup des émeraudes pour les personnes SDF, des repas chauds, là, la période qui a fait très très froid. On a fait des repas chauds pour les SDF au niveau de la Part-Dieu, au niveau d'une salle qui nous prête... qu'on leur donne ici à de On a fait ça et vraiment, on a besoin d'aide par rapport à ça. Ah, et je parle aussi par rapport à l'épicerie sociale de Zora. C'est une épicerie sociale. Bon, voilà, de toute façon, tous les gens, ils ont besoin maintenant. Et ce que j'ai remarqué, Zora, elle n'a pas beaucoup de produits. Elle veut donner, elle veut aider les gens, mais elle n'a pas assez d'aide par rapport à ça. Parce qu'on a des bébés, des enfants. Comme elle a parlé, les gens qui mangent à l'aile aussi. De toute façon, on aide tout le monde. C'est une association pour tout le monde. Il n'y a pas musulmans ou juifs. Tout ça, c'est pour tout le monde. De toute façon, on a tout ça. Mais il nous manque vraiment pour les gens musulmans et pour les bébés aussi. Parce qu'on a beaucoup de Romains, de Syriens, ils ont des bébés, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin. Et par rapport à la banque alimentaire aussi, elle paye, ils auront la banque alimentaire. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas vraiment gratuit. Il y a l'eau qu'elle a payé, il y a l'électricité à payer, il y a l'assurance à payer, il y a plein de choses à payer. Tout ce qu'on demande, c'est un petit coup de pouce. Ça sera bien que les magasins nous aident un petit peu. Bon, je remercie quand même la mairie de Vanvelin ils me soutiennent beaucoup. Hein. Franchement, à chaque fois que je remplis des dossiers de subvention, ils sont là. Heureusement, quand même, il n'y a pas longtemps, ils viennent me. Il y a 4000 euros qui a été voté. J'étais vraiment dans la merde. Alors, je remercie quand même la mairie de Vanvelin. Le maire, monsieur Dussurgeet. Monsieur Dussurgeet, il y a la secrétaire d'État, il y a aussi quand même Hélène. Madame Hélène. Ouais, franchement, heureusement, il y a eux. Parce que sinon, des fois, je suis en bas. Et Madame Hélène Geoffroy. Franchement, je remercie quand même la mairie de Vanvelin qui sont là.
qui nous soutient, qui soutient Victoire et qui soutient Odélise de l'Espoir, parce que je pense qu'ils voient la galère, je pense qu'ils connaissent la galère, oui. il y a plein de personnes en difficulté, hein. Et ils font ce qu'ils peuvent, hein. Il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de... Oui. J'aimerais bien agrandir ce restaurant, j'aimerais bien agrandir mon épicerie sociale qui a tout, j'aimerais faire des heureux, j'aimerais bien que les gens sont mieux, qu'ils sont bien, qu'ils sont bien servis. J'aimerais bien leur donner un accueil chaleureux. Moi, mon rêve, ça a toujours été, c'est de mettre des petites tables avec des jeux pour les enfants quand les mamans elles viennent avec leurs grosses poussettes. J'aimerais bien quand même, quand ils viennent prendre le colis, j'aimerais bien que ce soit plus grand. Ils viennent, au lieu de patienter, les enfants jouent un petit peu avec des jeux. C'est ça que je demande. Je demande quoi? Voilà. Lieu d'accueil. Voilà, aujourd'hui c'est vendredi. Nous sommes chez Zora Antar, à Bourg-en-Velin, dans son petit restaurant social. Petit par la taille, mais très grand par la qualité. Donc on vient assez souvent avec des amis. Je crois que la plupart des gens de Bourg-en-Velin viennent aussi. La mairie de Bourg-en-Velin vient. Monsieur Renaud Gauquelin, député de Vaud, vient aussi manger avec Monsieur Cachard. Pas mal d'amis viennent. Monsieur Stéphane Lacour qui s'avance, qui veut qu'on parle de lui, donc on va parler de lui. Il vient, il est bénévole aussi. Donc on est très contents. Et puis moi je suis très fière de Zora parce que c'est une battante. C'est une Algérienne qui se bat au quotidien dans sa commune et qui a réussi à faire quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ce qu'elle a fait. Et elle, toute petite femme qu'elle est, elle réussit à faire des choses magnifiques. Et on l'encourage. Et elle a une équipe aussi dans la cuisine qui travaille pour elle, enfin pour elle, pour les gens qui viennent manger. Donc écoutez, moi je vous conseille de venir. En même temps, vous mangez un couscous très très bon, on va dire. Et puis vous essayez aussi d'aider Zora au quotidien dans son travail. Et ça, c'est magnifique. C'est un peu notre rôle aussi d'aider nos amis. Donc on est tous un peu des amis ici et on vient manger pour que Zora puisse briller à Vaux-en-Velin. C'est la petite étoile de Vaux-en-Velin. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Fatima. Toi aussi, tu es quelqu'un de merveilleux, de merveilleuse. Franchement, toi aussi, tu as des qualités, gentil. Depuis que je te connais, tu me soutiens énormément et ça me touche. Ça me touche énormément d'être soutenue par des gens bien, des gens vrais, des gens... Et je suis contente. J'espère que ce restaurant solidaire, l'épicerie sociale que j'en ai parlé, ça va s'agrandir. Et je remercie aussi quand même la mairie de Vaux-en-Velin, Renaud Gauquelin, Marc Karchard et aussi Abdelaziz Boumediene quand même qui est là toujours pour me soutenir aussi. Et quand même les habitants, les adhérents, les bénévoles. Je remercie beaucoup parce que sans eux, je ne pense pas que j'y arriverais. Hein, de vous dire des choses vraies. Thank you.